Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le swatch make-up de cette palette-ci. Donc, vous avez eu la Hersi hier. Je vous la remets en barre d'infos. Et aujourd'hui, on s'attaque à la Midnight 42. Hein. Je ne vous ai pas dit hier, mais elles existent en 9 pannes. En 16 pannes, je crois, et en 42. J'ai pris les 42, bien évidemment. Il n'y a pas la Berry en 42, ça c'est dommage, parce qu'elle était intéressante aussi. Franchement, je pensais qu'ils allaient sortir soit toutes des petites palettes de 20 ou de 20 fards, comme ils font habituellement, ou que des grandes. Malheureusement, la Berry, je ne sais pas pourquoi, elle n'est pas en grande. Donc voilà l'harmonie, hein, mauve et bleu, j'aime beaucoup. Et comme pour celle d'hier, on va comparer après avec les deux là, mais ça on fera à la fin de la vidéo. Là je vous fais le swatch and make-up, voilà, et on fera une palette 3 looks samedi prochain, me semble-t-il. Ouais, samedi prochain pour vous. Donc bah écoutez, je me rapproche, enfin d'abord je vous laisse avec les swatchs, je suis essoufflée, je vous laisse avec les swatchs, je me rapproche, et on attaque un make-up qui sera un cocktail asymétrique, je pense. Voilà, donc je pense que vous avez compris que il y a beaucoup de fards qui me plaisent dedans et que ma nouvelle obsession, c'est la symétrie. Cherchez pas à comprendre, je supporte pas ça habituellement et en ce moment, j'ai envie de faire que ça. Donc, je vais essayer de trouver des pinceaux assez ressemblants. Donc, ça serait bien que je trouve mes deux 231, ce qui n'est pas du tout le cas. Bon, je suis de chez... bref. Alors, on va commencer. Il faudra déjà que je mette du bleu ressemblant à ça. Je vais peut-être d'ailleurs dégager la touffette, parce que sinon, ils vont m'enquiquiner. Alors, est-ce que j'ai un bleu qui ressemble à ça? Oui, celui-là. Donc, on fera ça après. Je vais commencer par faire mon coin externe en bleu de ce côté-ci. Voilà. Et je vais commencer avec le si. Voilà. J'adore. Donc, comme pour la première palette, assez poudreux, mais c'est pas catastrophique. Et c'est supra pigmenté. J'adore ça. Donc, je vais pas faire mon ras de cils. Je reviens juste un tout petit peu parce que j'ai oublié. Mais sinon, je fais pas mon ras de cils. Donc, je fais mon coin externe ici. Et je commence à dégrader doucement. Et je vais tout de suite en profiter pour faire mon coin externe, enfin mon ras de cils externe de l'autre côté. Donc je vais descendre assez bas pour qu'on les voit, hein, quand même. Ensuite, de l'autre côté, non, c'est pas un 231, celui-là, mais alors pas du tout. Enfin, voilà mon deuxième. De l'autre côté, je vais partir avec le... J'hésite entre les deux là. Le vaudou, il est dans l'autre palette, donc je vais pas l'utiliser. Donc je vais prendre. Oh. Non, je vais prendre celui-ci. Je sais pas lire la teinte, mais je prends celui-ci. Je fais exactement la même chose, mais avec une autre teinte. Oh, cette pigmentation. C'est un truc de fou. J'aime trop. J'aime trop cette qualité de fard. Et ras de cils externe de l'autre côté. Donc je vais prendre un pinceau plat. Toi. Et je vais prendre la teinte pour ce côté-ci. Je vais mettre du lumineux au centre, du violet, donc du violet lumineux ici. Je vais prendre le... le électrique. C'est celui qui a le plus de paillettes. Mmh.
Donc je l'étire un peu ici et je dégrade un peu ici. Avec la tranche, je fais mon ras de cils de l'autre côté au centre. Si possible, si possible. J'essuie mon pinceau. De l'autre côté, je vais mettre. Oh là là, j'hésite entre celui-là et celui-là. Oh, celui-là. Franchement, les lumineux sont canons. Mais je vais prendre celui-ci. Qui est le pouce sur. Je crois. Ah, quoi que je me demande s'il n'est pas déjà dans une. Tant pis. Dans une des autres palettes, je sais plus. Donc je fais exactement la même chose. Ras-de-cils de l'autre côté. Alors, je vais prendre un pinceau plat plus précis. Attendez. Je cherche. Le toit. Ici, je repars en bleu. Donc, du coup, je vais mettre le, bah, celui-ci qui va avec mes décos de tête, mes bijoux de tête. J'ai tous envie de les tester, c'est ça le pire. Et je mets ça en partie interne de ma paupière de ce côté-ci et en partie interne de mon ras de cils de l'autre côté, évidemment. Voilà, j'essuie mon pinceau et de l'autre côté, dans les violets, je vais prendre celui-ci qui a un tout petit peu plus de sous-ton fuchsia que celui-ci au-dessus. Donc pareil, partie interne de ma paupière de ce côté-ci et moitié de l'autre côté. Alors, j'essuie mon pinceau, oui, parce qu'on n'a pas fini. Hein. On continue à faire mumuse. On continue, on continue. Alors, sur la partie bleue interne, ici, je vais mettre celui-ci. Et je l'étire un peu sur le violet. Voilà. Et de l'autre côté, je vais mettre celui-ci. Je mets juste au-dessus, hein. Je mets pas en dessous. Et tout ça est très joli, ma foi. Alors, pour le coin interne, ça aurait été bien d'avoir un lumineux, mais un peu plus neutre. Par exemple, un blanc. Ce qui n'est pas le cas du tout, avec des petites paillettes bleues et mauves. Ça aurait été chouette. Bon, c'est pas le cas, donc sur les deux coins internes, je vais mettre celui-ci. Qui est un peu plus dans les deux, que ça s'accordera le mieux avec les deux teintes, je pense, avec les deux côtés. Voilà pour ça. Alors, on va passer aux transitions. Donc, je prends des pinceaux estompeurs. Hein. Le côté bleu, ici, je vais le dégrader avec. Le bleu ciel ici vraiment pastel, c'est celui qui choquera le moins. Après ça se dégrade comme un rien, les Fard Beauty Bay, vous n'êtes pas obligé de mettre une teinte de transition. Donc je fais pareil ici, j'essuie mon pinceau et je continue avec la même teinte pour faire le creux ici. Bon, c'est très léger, après c'est un pinceau très fluffy, mais comme c'est pour dégrader, c'est pas grave, surtout coin interne. Bon, je vais essuyer mon pinceau, je vais garder pour faire l'autre côté. Et je vais estomper avec, ben, avec le pastel ici. Voilà. Donc, ce côté-ci. J'ai oublié de faire le creux. On va recommencer. Ici. Et ici. Et ici aussi, il faut que je le fasse en bleu de l'autre côté, j'ai oublié. Donc voilà, je fais ça, crayon, mascara, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, petite fioriture comme d'hab. Et je viens vous montrer ce que ça donne. Et on parle de la palette ainsi que des deux autres. On va comparer ça.
Et donc voilà le look final avec cette palette. J'aime beaucoup. Après, j'aime beaucoup associer le bleu et le mauve. Ça va très 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 bien ensemble. Donc sur mes lèvres, j'ai juste mis le crayon Toast de chez Beauty Bay et le Pillow Talk. Voilà. Et les strass, c'est toujours ceux de chez Shein. Bah oui, je vous inculte assez strass, vous le savez maintenant. Donc, qu'est-ce que je pense de la palette? Bah écoutez, pour un premier jet, hein, puisque c'est juste un swatch et le make-up, j'ai fait qu'un make-up avec. Après, la qualité Beauty Bay, voilà, comme je vous ai dit hier, n'a plus à faire ses preuves, c'est de la bombe atomique, c'est vraiment les fards que je préfère utiliser en petit prix. Après, il y a Be Perfect et tout ça, vous le savez, mais c'est vraiment rapport qualité-prix, c'est les meilleurs fards à paupières que j'ai pu tester. L'harmonie me plaît énormément aussi, même si je ne suis pas très violet de base. J'adore assortir avec le bleu, par exemple. Après, vous aimez bien quand je fais du violet, mais le violet, c'est Amy, vous voyez. Moi, c'est le vert. Manon, c'est le rose. On a chacune notre teinte. Mais c'est vrai que j'aime bien de temps en temps et que j'ai pas énormément de palettes violettes, hormis justement la Book of Magic. J'en ai pas énormément avec du violet dedans et la Norvina volume 1. Mais je crois que c'est à peu près tout, puisque je me penche pas trop. Et la Sagittaire de Chine, que j'adore. Mais voilà, franchement, il y a des super belles choses. Les lumineux se travaillent hyper bien, même au pinceau. Là, j'ai juste remodifié un peu. Donc, du côté... Attendez, je prends mon miroir parce que je sais plus ce que j'ai fait. Du côté mauve, au centre, j'ai rajouté un petit peu de celui-ci pour faire un peu plus fuchsia, comme le coin externe ici. Et sur le bleu, j'ai rajouté un petit peu de celui-ci. Pareil, pour le mettre un peu moins foncé et un peu plus clair. Mais c'est magnifique. Les fards, ils sont hyper crémeux. Les fards mats sont un peu poudreux, mais franchement, c'est normal. Mais j'adore. Très belle association de teintes. Alors, maintenant, pour comparer avec les deux autres, on va commencer avec la Book of Magic, puisque c'est celle qui vous intéresse le plus, je pense. Donc, c'était celle-ci, hein, c'est l'édition limitée. C'est avec celle-ci que j'ai découvert la qualité Be Perfect. C'est Manon qui me l'avait offert dans un swap. Et je suis tombée red dingue de la qualité et de l'harmonie aussi. J'aime beaucoup. Alors ici déjà vous avez des nudes que vous n'avez pas dans l'autre. Puisque c'est vraiment exclusivement du violet et du bleu. Maintenant pareil que dans la vidéo précédente. Les doublons sont, ont le même nom. Donc ça vous aide à savoir lesquels sont en double. Donc là je vous la mets à côté. Vous avez, par exemple, alors je vais avoir du mal à lire, le Vaudou, qui est le même, donc c'est celui-ci. Vous avez le Potion, donc qu'on a utilisé, qui est le même, qui est celui-ci. J'ai oublié qu'il était en double. Le Trick n'y est pas. Le Jinx non plus, je ne crois pas, on n'a pas dans les... Le Cursed aussi, donc ça fait déjà 3. Et je crois que c'est tout. Peut-être le Wish ici, non, il n'y a pas dans cette teinte-là. Sorcerie, il n'y est pas, j'avais vérifié. J'ai rien dit, il y est, donc celui-ci. Et le Charm, je crois qu'il y est aussi en fait. Attendez. Non, le Charm n'y est pas. Donc ici, on a... ah, et le Elixir peut-être aussi, non? Non. Donc ici, on a les deux là et les deux là qui sont dedans. Enchanted, je vérifie pour être sûr, non, il n'y est pas. Voilà, il y en a un peu moins que... Ah, et le Curse aussi, j'ai oublié. Ça fait 5 phares quand même. Hein. Non, le Trick n'y est pas, attendez. Je ne sais plus ce que j'étais... Non, le Trick n'y est pas, donc c'est le Curse, le Poison, Elixir, Vaudou et Sorcerie. Donc ça en fait 4, 5. Oh, c'est compliqué. Dans la Wilderness, vous avez également le Curse, non, le Twilight qui est similaire. Et ici, dans, donc ça, c'est la Edge of Opulence hein, qui se présente comme ceci. On a le Lavish, non. Le Decadent, non. Le Velvet. Peut-être bien. Ouais. Ah, il a le même nom, mais c'est pas le même phare. Je vais vous montrer après. Dandy, non. Revival.
non plus. Kerfen non plus, je ne crois pas. Non. Il y a le noir aussi qui est ici, qui est dans la décade, dans la Earth, dans la Earthsea. Celui-là, j'avais vu. Voilà. Ici, il y en a un peu moins quand même. Ouais. Ici, on a que le décadente en fait. Attendez, je revérifie. Je sais plus ce que je dis. Hein. Je ne sais plus du tout ce que je dis. Enfin bref, je vous la mets à côté de l'autre. Donc voilà pour celle-ci. Et alors vous avez le velvet ici. Vous voyez, qui est dans les tons violets. Et ici, il a le même nom, mais pas la même teinte. Mais il ressemble au dandy. Je vous le mets juste en dessous du velvet pour que vous voyez. Ouais, il ressemble pas mal au dandy quand même. Hein. C'est un peu un mix entre les deux teintes. Donc il y a quand même des similitudes de fard. Après, ça se joue vraiment à un tout petit sous-ton. Vous n'allez absolument pas voir. Donc vous avez le velvet ici, la dernière rangée au milieu. Et juste en dessous, c'est le velvet de l'autre. Vous voyez? C'est le même nom, mais pas la même teinte. Mais par contre, si on fait comme ça, on est sur du très similaire aussi. Hein. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir les deux modèles. C'est comme je disais hier, c'est un peu dommage pour ceux qui ont réussi à choper les éditions limitées et que du coup, ben, ont des doublons. C'est bien pour ceux qui n'ont pas réussi à les choper, justement. Mais je trouve que l'intérêt, justement, d'une édition limitée, c'est que tout le monde puisse pas se la procurer. Vous voyez? Donc, c'est un peu dommage. Après, ce n'est pas énorme. Il n'y a pas un énorme ratio. Il y en a un peu plus avec la Wilderness, je trouve, et la Earthsea, et un peu plus avec la Book of Magic. Avec la Edge of Opulence, franchement, non, elle n'a rien à voir. Voilà, pour ceux qui me demandaient un comparatif entre les petites palettes et les grandes palettes, maintenant, vous savez. J'espère que ça vous aide. Donc, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait vraiment plaisir. On se rapproche vraiment des 4000, donc je commence à rajouter des petites choses dans le concours. Vous avez eu le spoil en short, hein, mais je rajoute des petites choses. Voilà, et on se retrouve demain de toute façon pour une autre vidéo. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous.